Salut tout le monde, alors me voici de retour pour mon deuxième maquillage de la série Halloween 2016. Donc cette fois-ci j'ai décidé de vous faire un loup-garou, parce qu'en même temps c'est vrai que le loup-garou c'est quand même le personnage incontournable lors d'Halloween, dans les films d'horreur etc. Donc forcément on ne pouvait pas passer à côté sur le blog. Donc comme vous le voyez, j'ai décidé de vous faire un loup-garou quand même assez féminin, un petit peu artistique pour garder quand même un côté joli tout en étant quand même assez méchante. Bien sûr, vous pouvez l'agrémenter vous comme vous voulez, donc c'est-à-dire si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger, vous pouvez tout simplement faire le nez, une petite bouche, un liner et les lentilles et le tour est joué. Et si jamais vous voulez faire quelque chose de plus travaillé, vous avez juste à suivre la vidéo. En bonus, je vous montre comment faire des griffures simples et rapides. Je vous laisse regarder tout ça. Je commence donc la première partie du maquillage. Donc là, je voulais vous montrer comment faire des griffures super simples avec du latex, du Kleenex, du sang et du fard gras noir ou de l'eyeliner noir ou du rouge à lèvres noir, enfin ce que vous avez de noir. Donc je vais faire 4 griffures. Alors, je prends mon latex, donc là c'est un latex de chez Make Up For Ever, que je mets dans une coupelle. Je prépare également donc un Kleenex que je vais dédoubler, comme ceci. Et avec ce Kleenex là, donc, je vais faire des petits lambeaux qui vont permettre de faire l'effet chair. Vous prenez ensuite un coton-tige, avec, donc vous le trempez dans le latex. Je prends le latex avec un coton-tige et je vais créer mes griffures. Je fais les deux premières plus épaisse et ensuite j'affine, vous voyez, sur les bords. Ensuite j'attends que ça sèche et je vais rajouter une deuxième couche voire une troisième couche. Donc là ma première couche de latex a séché, donc j'en remets une deuxième et en fait plus vous mettez de couches de latex plus ça va créer une épaisseur qui va permettre de faire un effet de peau et de déchirure justement. Et ensuite je vais commencer à mettre mon Kleenex un peu en accordéon pour que ça fasse un effet chair. Et ensuite vous pouvez refixer le Kleenex avec du latex, juste pour finir de le coller. Donc là, j'ai mis du Kleenex pour les deux dernières griffures parce que c'est les plus superficielles. Et pour les deux plus profondes, je vais ouvrir le latex. Donc là, je prends une pince à épiler. Essayez de ne pas vous griffer en même temps que vous faites ça, bien sûr. Alors le mieux, c'est d'avoir un petit ciseau, sinon. Ensuite, je remets du latex à l'intérieur. Et je mets du Kleenex pour faire l'effet chair déchiquetée à l'intérieur. Donc ça, même si vous n'avez pas envie de vous faire un gros maquillage, vous pouvez faire juste des petites blessures de ce genre-là. Ça fera quand même son effet à Halloween, sans pour autant trop se prendre la tête. Je prends du fond de teint avec un pinceau, un petit pinceau, et je vais en mettre sur le latex, juste pour faire un raccord avec la peau. Maintenant, je vais prendre du fard gras de chez Make Up For Ever, donc je vais prendre le carmin. Le carmin, c'est vraiment la couleur idéale quand on veut faire un effet sang, chair à vif, etc. Et si vous n'en avez pas, bien sûr, vous pouvez prendre du rouge à lèvres, ça fera aussi très très bien l'affaire. Un rouge à lèvres bordeaux assez foncé. Et ensuite, je délie sur les extérieurs pour faire le côté justement en griffure. Je mets également un peu de carmin sur l'effet peau qu'a donné le latex. Et après, prenez un tout petit peu de noir. Donc là, je prends une pointe de fard gras noir. Et ensuite, avec ce fard gras noir, essayez de créer un tout petit peu plus de profondeur au niveau des plaies. Donc surtout les plaies les plus profondes, pour justement qu'on ait l'impression que la griffure est allée assez loin au niveau de la peau, au niveau de la profondeur. Maintenant, je vais mettre du sang. Donc là, je vais mettre du sang artificiel liquide de chez Make Up For Ever. Vous pouvez aussi en trouver dans les magasins de farce à trappe, mais c'est vrai que celui-ci, il est bien parce qu'il représente bien la vraie couleur du sang. Donc je prends le sang avec un pinceau, j'imbibe le Kleenex de sang, et ça va tout de suite donner un autre effet à la blessure. Maintenant, place à la deuxième étape du maquillage. Donc comme vous le voyez, je me suis fait une coiffure très rock'n'roll parce qu'en fait, je suis un loup-garou rock'n'roll, moderne en fait. J'ai aussi mis les lentilles et maintenant, je vais commencer par cacher mes sourcils. Donc vraiment, si vous voulez changer votre regard quand vous faites votre maquillage Halloween, le top du top, c'est vraiment de cacher le sourcil. Mais là, j'ai besoin que de la moitié, donc du coup, moins de travail. Toujours avec le cache-sourcils d'Atelier Make-up, je prends ma cire sur le dos de mon ongle. Et ensuite, je plaque la moitié de mon sourcil. Maintenant, je prends la colle à postiche pour fixer ma cire. Donc, mettez-la vraiment que sur la zone où vous avez caché le sourcil. En attendant que ma colle sèche, je mets mon fond de teint infaillible de L'Oréal, le beige rosé numéro 12, que j'applique avec ma Beauty Blender. Je tapote directement avec mon éponge parce que je veux un teint bien couvrant. Je poudre ma colle à postiche pour finir de bien la sécher.
et la matifier avec de la poudre HD. Avec le full cover ou avec un anti-cerne, vous finissez de cacher votre sourcil. Je tapote les bords du full cover pour bien intégrer au fond de teint. Pensez ensuite à fixer votre full cover avec de la poudre. Donc là, j'utilise la poudre HD. Et une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre fond de teint et vous tapotez directement là où vous avez caché le sourcil. J'applique ensuite de l'anti-cerne Ultra HD, le Y21, afin de commencer à apporter plus de contraste au niveau du teint. Et je fais également un point de lumière sur tout le milieu du nez, qui est une première étape pour la transformation du loup-garou. Donc là, vous avez deux choix, deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit donc vous allez faire comme moi, donc travailler les ombres marron au fard gras, soit vous poudrez et vous travaillez vos ombres au fard sec. Je préfère faire avec les fards gras parce que du coup, c'est beaucoup plus facile à dégrader, pardon. Mais ça, après, c'est libre à vous de choisir la technique que vous voulez. Donc là, j'utilise la palette boîtier 12 fards gras de chez Make Up For Ever. Je vais prendre la couleur rouille. Donc je commence par créer un trait au niveau de ma pommette, du haut d'oreille vers la commissure. Et arrivé vers la bouche, je commence à descendre un peu plus bas. Et ensuite, je dégrade mon marron vers le bas. Je prends un pinceau neutre pour bien dégrader mon marron dans le fond de teint. Je travaille mon dessous d'œil en étirant vers l'extérieur et en partant ensuite vers le nez, mais tout en restant dans une forme oblique. Et je dégrade ensuite vers le beige. Donc là, j'hésite pas à descendre le dégradé bien bien bas parce que ensuite je vais poudrer et je vais forcément perdre des nuances. Et comme il y aura aussi beaucoup de noir, il faut que le dégradé soit assez présent. Je passe sous la tête du sourcil et je remonte ensuite en oblique pour arrondir et pour vraiment avoir cet effet méchant. Donc sous le départ du sourcil, je dégrade mon marron vers le bas. J'en profite pour commencer à créer une ombre au niveau du nez. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mes clairs juste là où il faut. Je vais aussi mettre beaucoup de clairs au niveau du nez. Et ensuite avec mon marron, je descends jusqu'au bout et je dégrade vers l'extérieur. Toujours avec le même marron, j'ombre l'ovale de mon front. Donc là, je poudre mon teint avec la poudre HD de chez Make Up For Ever, avec un gros pinceau. Donc cette fois-ci, je prends la poudre HD parce que c'est une poudre qui est translucide et donc ça permet de ne pas perdre les couleurs que j'ai mises avant avec le fard gras. Je prends maintenant un fard à paupières de chez Make Up For Ever qui va permettre de réintensifier toutes mes bases de marron. Donc ça me permet surtout d'apporter plus de contraste au maquillage. Donc en fait, là, comme vous le voyez, je mets vraiment mon marron foncé sur tous les points forts du maquillage. Une fois que j'ai fait tout ça, maintenant, je vais enfin pouvoir passer à mon noir pour voir vraiment le maquillage du loup-garou arriver, parce que pour l'instant, je me sens toujours en espèce d'indienne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tout de suite par le nez. Pour le noir, je prends du fard à l'eau de chez Make Up For Ever. Après, vous pouvez bien sûr prendre un eyeliner, n'importe lequel. Je vais aussi rajouter du blanc, du clair au niveau des narines pour faire l'effet narine dilatée. Voilà, donc tout de suite avec l'effet du nez, on a plus l'effet loup-garou. Maintenant, je vais aussi noircir mes yeux, donc aussi avec le fard à l'eau, directement sur toute la paupière mobile. Je vais dégrader avec du fard à paupières marron. Du coup, pour bien contraster, je vais rajouter du clair juste au-dessus. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais enfin ombrer avec du noir, donc toutes les parties importantes du maquillage, c'est-à-dire le coin interne des yeux, que je redégrade bien sûr avec du marron. We'll be right back.
creux de la bouche, je vais faire une bouche bien, bien pulpeuse, un tout petit peu pointue. Donc je commence par le cœur de ma bouche. Et je rejoins ensuite de la commissure au cœur de la bouche. Je n'hésite pas à bien augmenter le volume de mes lèvres. Une fois que j'ai fait ça, donc je crayonne toute la bouche avec le crayon. Je prends ensuite le rouge à lèvres NYX, le Copenhagen, et j'applique directement donc sur ma bouche. Donc je rajoute bien évidemment du mascara avec le Fossil Superstar de L'Oréal. Donc un côté blanc pour allonger les cils et l'autre côté noir. Alors maintenant que le maquillage est bien en place, que je suis quasiment à la fin, je vais faire un effet poil à poil mais assez léger. Donc là j'utilise du fard à l'eau marron roux, donc ça c'est la marque Criolan. Et surtout si vous utilisez ce genre de produit, pensez à bien mouiller le fard à l'eau pour que votre matière soit bien fluide et que ça fasse pas de traces. Donc si vous voulez faire cette technique, essayez vraiment de bien aller dans le sens des formes que vous avez créées. Maintenant que j'ai fait mes petits effets de poils marron, je vais maintenant faire mes effets de poils au noir. Donc avec le fard à l'eau noir de tout à l'heure. Et maintenant, je vais apporter la touche finale avec le blanc, donc du fard à l'eau blanc. Voilà, l'ensemble du maquillage est terminé. Donc hors caméra, je me suis rajouté des petites dents. Voilà, pour faire plus les crocs du loup-garou. J'ai un peu de rouge à lèvres dessus, c'est vrai. Alors pour les dents, rien de plus simple. J'ai pris des faux ongles que j'ai coupés, que j'ai limés. Et ensuite, j'ai collé avec du fixe aux dents. Donc comme pour coller des dentiers. Alors surtout, restez bien, séchez bien la dent avant et restez bien longtemps sur la dent. Pour que ça colle en fait. Et vous allez voir là, fixe aux dents, ça a assez bon goût mentholé. Ça fait une petite haleine fraîche en même temps. Et voilà, ce maquillage est terminé. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de faire ce maquillage. Là, pour tout vous dire, je vais prendre ma voiture et je vais rentrer chez moi comme ça. Donc je pense que je vais faire sensation dans la rue, ça va être sympa. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un joyeux Halloween. Bye bye.